Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, on était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet, je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité. Merci. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche, quel plaisir d'être là. Et le match est donc lancé. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? Écoutez, moi j'adore Iniesta. Il distribue le jeu, il oriente, il gère le tempo. Et ce qui est fou, c'est qu'il est quasiment excellent à chaque match. En plus, il lui arrive de marquer des buts formidables. Alors que demander de plus? Et c'est vrai que son équipe compte énormément sur lui. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. La longue passe. Iniesta. Alors qu'on attend encore l'ouverture du score. Iniesta, l'ouverture lumineuse. Uchida qui est récompensé de son pressing. Donc il va vite sur ce côté. C'était intéressant cette action. Oh, il y a danger. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Iniesta. Ito. Ça joue long. Énorme occasion. L'arbitre siffle une faute. Dans la profondeur. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Ce ballon dans l'axe. De la tête. Ah, l'énorme occasion de la tête. Dans 5 minutes, l'arbitre va siffler la pause. Il restera un ou deux bons coups à jouer là. Voilà une bonne occasion de contre. C'est joué long. Oui, il tire. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Et ça fait donc 1-0. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Le coup de sifflet, c'est la fin.
de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Les deux équipes regagnent donc le vestiaire avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeu, de spectacle au cours des 45 prochaines minutes. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Sergi Samper. La passe en retrait vers son défenseur. C'est joué dans la profondeur. Ça passe dans l'axe. Oh, bonne lecture, intercepté. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Iniesta. Un seul but inscrit dans cette rencontre jusqu'ici. On attend un peu que ça s'anime, franchement. Dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Le centre. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si? C'est vrai, Grégoire. Iniesta. Il allonge le jeu. Faut que ça va partir vite. Belle passe lobée. Il cherche la profondeur. Directement pour le gardien.
Iniesta. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Ça fait un moment qu'on n'a pas vu un seul tir, hein? Ouais, il y avait danger, mais il a bien jailli. Dans la profondeur, bien vu. Excellente intervention du défenseur. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bien, la profondeur. Ça manque de finition tout ça, j'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Et il perd l'équilibre. S'il le trouve. Allez, plus que quelques instants à tenir. Oui, c'était l'occasion de tuer le match. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, c'est chaud. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Ils auront douté jusqu'au bout, mais cette victoire 1-0 suffit largement à leur bonheur. Vous savez, c'est jamais facile de tenir aussi longtemps sur l'avance, mais ils ont réussi grâce à leur discipline. Voilà, on doit malheureusement se quitter. Une très belle journée à vous tous et un grand merci à Darren Tulette pour la qualité de ses analyses. Encore une fois. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir.